Et salut les gens, c'est Morphix05, comment allez-vous? Moi je vais bien et on se retrouve cette fois-ci pour la vidéo test de Assassin's Creed 3 en pleine action. Là je suis en train de buter des gens. Tenez ça! Hop là! Donc on s'était laissé la dernière fois sur la vidéo découverte de Assassin's Creed 3 où je contrôlais le personnage Etam. Et donc maintenant je suis avec le vrai assassin, Connor, qui est moitié Mahonk, c'est-à-dire indien, et moitié britannique. Bon, je vais un peu les tuer là, les méchants. Oh, comment il m'a donné un coup de boule là. Eh, mais ils sont fous. Attends, eux. Non, je vais mourir, bordel. Tiens, prends ça. Tiens. Toi, tu vas goûter à ma tomahawk. Ah oui, la nouveauté de ce Assassin's Creed 3, c'est que le personnage il a une tomahawk à sa main. Oh là là, je suis mort. Ah oui, ce que je voulais vous prévenir, c'est que cette vidéo va quand même spoiler, vu que comme là je suis dans la séquence 6 du mode histoire. Alors, allez, venez ici. C'est un vrai massacre ici. Donc du côté c'est les Indiens, où l'assassin Connor il tient avec. Enfin c'est son peuple quoi. Et de l'autre côté c'est les Britanniques là. Enfin les Templiers quoi. Hop là, toi, je te massacre. Allez, venez, venez, venez. Je suis chaud là, je suis chaud. Wow là là. Les techniques que je leur fournis. Et comment ils voulaient me prendre par derrière. Tiens, prends ça. Voilà. Bon. Tiens. Toi. Et en plus il a blindé de sang sur sa capuche là. L'assassin Connor. Lui croyait quoi, me la faire à l'envers? En plus il essayait de me prendre par derrière. Bon, lui je vais le tuer avec mon fusil. Eh, mais fous moi la paix. Bon, tant pis. Allez, attends moi allez. Punaise, il est en train de me battre. Oh, comment il est balèze le type. Comment il m'a foutu une tarte. Attends, lui, il faut que je le bute avec mon fusil à pompe, là. Ça va pas se passer comme ça. Allez, let's go. Attends, toi. Pour qu'il se prend l'autre. Comment c'est un massacre. Par derrière. Putain, c'est lui le plus fort. Tiens. Vous croyez quoi là? Voilà, lui je l'ai buté. Et même pas. Putain, eux ils m'ont tiré. Ils m'ont tiré dessus en plus. Punaise, ils sont assez durs. Merde. Ils sont en train de me tirer dessus, non? Pitié, pas ces grenades. Mais je suis en train de rêver ou quoi là? Ils sont assez durs là. Et dire que tout à l'heure j'irais ce jeu là. Et là, je me fais battre par des putains d'ennemis. Allez, tu vois. Tu vas me prendre ça. Non, pas ces grenades. Bon, lui, je vais buter au fusil à pompe. Allez, venez. Ils sont blindés trop. Et regardez-moi ça, il tient ma tomahawk. Et puis après, il me donne un coup de boule. Comment veux-tu que je fasse face à lui?
Et putain, ne me dis pas que je vais mourir encore. Faut que je me barre. Oh punaise. Trois fois que je me fais buter par ce fumier. Bon, on va essayer une autre technique. C'est mon dernier avertissement. Attention. Ouais, toi, prends ça. Je l'ai buté à l'arme. Je vais essayer une autre technique. Allez, prends ce cheval. Oh non, le cheval il se bat. Bon, c'est pas grave. Faisons à l'ancienne. Ouais, voici un des combos qui est la nouveauté de faire Assassin's Creed 3. C'est quand deux ennemis vous attaquent et que vous appuyez sur la touche contre-attaque, comme maintenant là, et ben il tue les deux ennemis en même temps quoi. Il fait une genre de technique là. Mais qu'est-ce qu'il parle lui? Il est trop rapide pour moi, mais attends, je vais buter l'autre là. Mais regardez-moi ça, comment il est trop balèze le type. Mais... putain, comment il m'attaque. Je vais le buter. Voilà, maintenant il me reste plus que lui. Tiens, je te tire dessus. Oh oh oh, comment je l'ai battu. Ah, ça c'est nickel. Bon. Alors... je crois bien que je dois quitter la zone rouge qui est en bas à gauche de votre écran. Donc c'est la carte là. Ah bah non, soyons un peu... allez, quitte-moi ce cheval. Bon, c'est pas grave. Je voulais descendre pour un peu regarder. Eh, un petit coffre. Allez, descends-moi de ce cheval. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. On va un peu s'en aller de ce champ rouge là. Hop là, j'ai un peu partir. Allez, mais lâche-moi ce cheval. C'est quoi ça? Je crois bien que j'ai terminé la séquence 6. Donc comme vous voyez, ah bah il s'est barré. Punaise, comment tout se barre. William Johnson est mort, emportant avec lui le plan des Templiers visant à voler les terres de mon peuple. Mais en éliminant cette menace, j'en ai découvert une autre. Il détenait une lettre ordonnant à John Pitcairn de trouver et de détruire les armes et les vivres des patriotes. S'il y parvient, la résistance des colons s'effondrera et les Templiers s'empareront du pouvoir. Le danger subsistera tant que Pitcairn vivra. Je dois le trouver et lui ôter la vie. Donc voici le visage de l'assassin qu'on contrôle. Je ne ressens que le remords. C'est une bonne chose. De tels sacrifices doivent peser sur l'âme. Je devais le faire. Pas seulement pour mon peuple, mais pour ceux que Johnson aurait fait souffrir. Oui, c'est un début. Mais pour nous libérer de l'influence des Templiers, tu vas devoir tous les tuer. Même ton père. Je sais. Penses-tu le savoir? Ou le sais-tu vraiment? On a de la compagnie. Qu'est-ce que c'est? C'est un appel à l'aide de Paul Revere. Les tuniques rouges préparent quelque chose à Boston. Tu as dû faire forte impression sur les fils de la liberté. Ils me prennent à tort pour l'un des leurs. Dites à Monsieur Revere qu'il a ma sympathie, mais que je ne peux l'aider en ce moment. Sache une chose avant de refuser.
j'ai lu le nom de John Picker. Où dois-je aller? Monsieur Revers habite à Boston. Si vous voulez, je... Bon, dans ce Assassin's Creed 3, l'époque qu'on est, c'est dans les 1700... Enfin, c'est au 18e siècle. Au 18e siècle, quoi. Et on se trouve dans une partie de la Bretagne. On est pas loin de Boston, là. Et ce qui est bien, c'est que on peut grimper dans les arbres. Ça, c'est simplement, je crois bien, la spécialité des Mahonks. Vu que... Genre Altaïr. Et j'ai oublié l'autre. Altaïr et... Oh là là, j'ai oublié. Ah oui, et Ezio, il savait pas grimper dans les arbres. Ça, c'est seuls les Indiens qui peuvent le faire. Bon, je vais un peu... Je vais appeler mon cheval, là. Comme vous pouvez le voir, on a différents actions, genre balancer des pièces, appeler le cheval, des appâts. Ça, je crois bien que c'est une nouveauté aussi, vu qu'on peut tuer des animaux. Et par exemple, et prendre leur viande, la peau et tout ça. Décoller, c'est un genre de piège là pour tuer les animaux aussi. Une mine. Des fléchettes empoisonnées. Une bombe fumigène. Dague à cordes. C'est une genre de dague, mais sauf que tu peux le balancer, quoi. Et un arc et un pistolet. Et aussi sur lui il a ah oui, je devais appeler mon cheval. Sur lui il a une tomahawk, nouveauté. L'âme secrète, ça c'est épique dans tous les Assassin's Creed. Et les points. Bah oui, pourquoi pas se battre avec ses points. Alors, siffler à cheval. Et là, j'appelle mon cheval. Oh bah il est déjà là. Allez, on y va. Zut, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. A savoir que les commandes ont un peu changé par rapport aux autres Assassin's Creed. Enfin, moi je parle par rapport à Brotherhood, le 2 et le 1. Vu que le Révélation, c'est celui avant le 3, mais j'y ai pas joué. Tout simplement parce qu'il m'intéressait pas. Paf, dans l'eau. Merde, j'ai un peu touché le sol dans l'eau. L'eau, elle était pas assez profonde pour que je fasse un magnifique plongeon. Bon, je sens que ça a duré trop longtemps. Alors, ce qu'on peut faire, c'est y aller dans la carte, se placer sur l'objectif et cliquer sur X pour faire un voyage rapide. Moi, je préfère plus ne pas utiliser les voyages rapides. Comme ça on peut explorer la map et tout ça. Mais comme ça va durer assez longtemps, alors je préfère plus utiliser le voyage rapide. Comme ça vous n'allez pas vous ennuyer durant la vidéo. Donc la petite temps de chargement. Voilà. Je vais voir. Oh zut, à chaque fois je me trompe. Je vais voir où est l'objectif. Ah oui, assez loin. Vu que je dois y aller sur terre, renager, puis y aller sur terre, et puis après renager. Bon allez, faisons-le. Ouais, pourquoi pas. Mais ça va durer assez longtemps. Bon, pendant ce temps-là, je vais vous dire... alors, je vous ai raconté l'époque. Disons... Si vous avez remarqué... Oh là là, c'est assez haut. J'ai pas envie de mourir. Je vais passer par là.
Voilà, je descends par ici. Si vous avez remarqué, Altaïr avait presque pas pas beaucoup d'armes. Enfin, surtout l'armure. Et puis après, Zio, lui, il en a un petit peu plus. Mais ce personnage-là, je trouve que... Allez, il a moins d'armure que Ezio. Ce que je trouve. Vu que Ezio, ce qu'on pouvait faire avec lui, c'est acheter des gantelets pour... des gantelets, une armure quoi. On pouvait s'acheter soit des gantelets, le truc là, une genre de botte métallique. J'ai carrément oublié. Merde, un ennemi. Hop, je vais plonger. Bon, tant pis, on va le tuer. Non, je vais replonger. Et merde. Bon, tant pis. Maintenant, j'ai replongé. Ah ben, je lui pique son fric. Pourquoi? Et zut, je me fais voir. Oh là 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 là. Je suis déjà en type d'alerte niveau 1. Donc ça veut dire que genre lui, à peine que qu'il me voit, il a allez, un petit temps de réaction pour se dire si c'est moi ou si c'est pas moi. Allez, le hors-la-loi, disons cela. Merde, un ours. En plus il essaye de m'attaquer. Tiens, prends ça. Vite. Oh là là, il m'a buté. S'il vous plaît. Eh mais il est fou cet ours. Eh mais. Mais non, je vais mourir. Oui, prends ça. Et crève en paix. Et là, si on a envie, on peut dépecer. C'est de retirer la fourrure, la viande. Et laisser que les os. La punaise pour un sacré viande. C'en est un. Et là, il y a genre des indices là pour savoir quel animaux a. Là, à ce qu'on voit, c'est des squelettes d'animaux. Et là, l'indice qui est analysé, il nous dit que c'est un ours qui l'a mangé. Et que cet ours, il est là où il y a le point rouge. Même il y en a deux. Bah, déjà que... Non, au secours, il y a blindé d'ours ici. C'est pas pour dire, mais ils sont assez costauds. Déjà que un seul ours, il a failli me buter, alors... Allez, on va plonger ici. Oh là 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 là. Adios les ours. Attends, encore un coup, ils voulaient tous me bouffer. Bon, eux, cet animal-là, il va rien me faire, mais son mari, là, il peut m'attaquer. Comme maintenant, quoi. Donc, petite phase de QTE. Ah, il se barre. Zut, il arrive. Allez, je me tire, moi. Voilà, maintenant, là on doit y aller à Boston, donc quand même c'est assez loin quoi. Hop là, je passe par là, aussi par là, et par là. Alors, ce que je dois y aller, c'est l'objectif vers le nord là. Donc maintenant il reste plus qu'à nager, arriver à la côte et puis après remarcher et on est dans la ville. Bon, on va essayer de faire un beau plongeon. Oh là là, bon c'est pas grave, on va faire un petit plongeon d'ici. Wouah ! Hop là.
comme dans le Brotherhood, la nouveauté, c'est que on peut avoir des des amis qui peuvent rejoindre notre guilde là, et au cas où si on veut les appeler, comme ça ils peuvent nous aider à combattre des ennemis. C'est quoi ça? Ah ok. Bon, allons-y. Comme là je suis en niveau 1 de recherche, c'est-à-dire que les ennemis, à peine qu'ils me voient, ils ont à peu près 5 secondes de temps pour qu'on se barre avant qu'ils décident à nous attaquer. Et numéro 2, c'est à peine qu'ils te voient, ils te tirent dessus. Non, allez, t'as aussi du temps à te barrer, mais moins. À peu près 2 secondes, quoi. Et niveau 3, c'est... il tire sur tout ce qui se bouge. À peine qu'il y a un lapin, là, qui rentre dans la ville, paf. Non, je rigole. Non, à peine qu'il me voit, il me bute direct. Mais en plus, ils viennent avec une armée, mais c'est incroyable, quoi. 20 à 30 personnes qui me collent au cul, là. Ah voilà, enfin on est arrivé à Boston. Voilà. Donc là je suis... allez, niveau de recherche, je suis plus en niveau 1. Mais plutôt en niveau incognito. Donc c'est... donc là, il y a... Disons que je suis dans un niveau où les gardes ne me connaissent pas, quoi. Donc j'ai rien fait dans cette ville. Ils peuvent m'arrêter. Sauf si je les bouscule. Comme maintenant. Là, ils commencent à s'énerver. Il faut vite que je me barre avant qu'ils décident de s'attaquer à moi. Et j'ai même entendu un petit chat. Coucou petit chat. Ah bah il se barre entre mes jambes. C'est pas grave. Bon, on va prendre un cheval. C'est pas pour dire. Enfin là on s'approche, mais bon, j'ai pas envie de tout faire à pied. Ce qui est bien, c'est les déplacements à cheval dans les villes. On bouscule n'importe qui. Ils commencent à soit nous dire qu'on est fou, ou alors écoutez. Vous avez entendu ça? Il y en a un qui dit je veux des renforts. Ou alors quand j'ai bousculé les gardes, il me traitait de fou. Et encore un coup, il voulait m'attaquer. Heureusement que je me suis barré assez vite. Excusez-moi, excusez-moi, laissez passer l'assassin connard. Attention. Attention. Qu'est-ce que vous voulez? Oui, je sais, je sais. Je suis à cheval. Je trouve que la vitesse du cheval, elle a plutôt baissé par rapport à Brotherhood. Vu que le Brotherhood, il y avait soit des chevals, par exemple aux Templiers, là. Enfin, je sais plus si c'était des Templiers ou autre chose, vu qu'on était à Rome. C'était un cheval avec une armure, mais il était beaucoup plus lourd au niveau du déplacement. Mais un cheval genre comme celui que j'ai, eh ben, il était beaucoup plus rapide que celui-là, je trouvais. Enfin, c'est juste que mon avis, quoi. Donc je vous conseille de faire votre propre avis sur le jeu quand vous l'aurez entre les mains.
Excusez-moi, c'est qui lui? Porter des lettres à Boston, ouais, pourquoi pas. Éternellement reconnaissant, monsieur. Ouais, et... Ah, je crois bien qu'il me les a donnés. J'ai plus qu'à les livrer. Donc il y a aussi des missions secondaires. Bon, c'est bon, mais je vais laisser tomber mon cheval. Alors, j'ai livré une lettre à lui. Ouais, et quoi? À part me dire qu'ils sont reconnaissants, je crois bien que... qu'il me donne des lettres là pour les donner à lui. Je vous suis éternellement reconnaissant, monsieur. Mais ils ont que ça à dire ou quoi? Je veux plus de mots, plus d'indices. Car là, je sais même pas qu'est-ce que je dois faire à part vous parler là et à me dire qu'ils sont reconnaissants alors que moi, je sais même pas qu'est-ce que je dois faire. Alors, on va un peu grimper là. Ah, là il commence à s'énerver. Et comme je vais essayer un peu de le contempler. Voilà, toi prends ça. Toi, allez, prends ton arme. Voilà. C'est fait. Voilà, voilà. Et je suis toujours en niveau incognito. Si j'en bute encore des gens, je vais passer au niveau 1. Alors, par où passer? Et aussi, on peut même grimper sur des poteaux, genre celui-là. Le drapeau de l'Angleterre. Allez, on y va. Il y a même des cochons et tous les trucs du genre, là. Et ce qui est bien... Ah. Voici des ennemis. Trop cool. Donc ceux-là, ça doit être des... Je sais plus comment on appelle ça. En fait, c'est des gens qui demandent trop d'argent et qu'à la fin, ils leur piquent blindés d'argent. Enfin, je sais pas si j'étais assez clair. Des usuriers, voilà. Mais sauf que les usuriers, là, ils abusent, quoi. Soit tu payes, soit ils te tuent. Et en plus ils demandent encore plus que la somme que... Par exemple, s'ils te prêtent 200 euros, ils ont... Eh ben ils t'en demandent 3 fois la somme quoi. 600 euros ou alors 400 euros. Donc c'était un peu abusé. J'avoue qu'il faut payer, une petite somme pour les remercier de nous prêter de l'argent. Genre, on paye 10 euros. Donc on leur rend 210 euros. Mais quand même pas le double ou le triple. Ça c'est abusé. Ah, comme vous pouvez le voir, je suis en niveau 2 de recherche. Là je suis en train de recharger mon arme pour buter cet ennemi. Zut, mon arme veut même pas... Ah, ils m'ont tiré dessus. Ah non, là, ils vont me le payer. Eh, mais qu'est-ce qu'ils foutent, là? Tiens, prends ça. Allez, bute-le. Ouais, je prends ma tomahawk. Ah oui, ce que j'ai oublié de vous montrer. Quand j'appelle ma guilde pour les attaquer, attention. C'est comme ce que j'ai fait maintenant. Et là, ils vont arriver m'aider. Oh, je suis tombé. Voilà. Ah, le voilà qui arrive. Il est juste là en train de m'aider. Mince.
ça, toi? Eh, qu'est-ce que c'est? Ah, ça s'attaque à plusieurs. Tiens, un petit craquement de tête. Bon, allons-y. Eh mais qu'est-ce... Il est vraiment dur cet ennemi-là. Voilà, je l'ai enfin buté. Il est passé par derrière moi en plus. Tiens, prends ça. Aïe. Ouh, ça c'était méchant ça. Il lui a craqué la jambe. Et puis après il lui a tranché la gorge. Donc au moment où il lui a craqué la jambe, il a dû souffrir le gars. Juste avant qu'il lui tranche la gorge, et là c'est carrément mort subite là. C'est carrément, il est mort d'un coup. Oh non, pitié, au secours, on s'échappe. Et voilà. Donc là ils m'ont reconnu. Là ils sont en train de me rechercher. Et là je suis en train de me cacher, comme ça ils vont laisser tomber. Donc là, il se demande où je suis. Alors, voilà, c'est parfait. J'attends plus qu'il se barre. Parfait. Donc, je vais essayer de me rendre incognito. Oh non, pitié. Il y a déjà des ennemis. Ils veulent m'attaquer quoi. J'ai essayé de me rendre incognito en arrachant soit des affiches que je trouve pas. Ah, voici un gars. Voilà, donc là il m'a rendu incognito. C'est quelqu'un qui... Mais normalement je suis incognito. Ah oui, c'est vrai, on peut pas monter sur les bâtiments. Donc, ce gars, c'est un livreur de journal et qui insinue à tout le monde comme quoi il y a un assassin, donc moi. Et je dois le payer pour qu'il arrête. Oh là là, comment je me suis fait mal. Et donc, je dois le payer pour qu'il arrête de dire des trucs mal sur moi. Et comme ça, je perds les deux étoiles de notoriété sur ma tête. Bon, je vais passer par là. Voilà. Maintenant, où je vais y aller? Faire un peu de mission secondaire, là. Faut juste que je trouve quelqu'un. Alors, c'est quoi ce truc? Je crois même que je dois suivre ce journal. Allez vite, grimpe. Non, il va m'échapper. Il est où ce journal? Ce journal volant. Et zut, je l'ai perdu. Bon, c'est pas grave. Ah, trop cool. Une charrette là où je pourrais passer tranquillement dans la paille. Voilà. Alors, c'est quoi ça? Ah ouais, le bar. Musique à l'ancienne là qu'on entend. Enfin, c'est plutôt un hôtel bar. C'est pas tout, mais je crois bien que je vais quitter cet endroit. Vu que limite, il y a presque rien ici. Où je vais y aller maintenant? C'est quoi là? Il y a un truc ici. Ça doit être soit du papier ou du journal.
c'est pas par là. Ah ok, c'est le journal que... qu'il était en train de voler dans les airs. Faut que j'attrape ce journal. Sûrement qu'il y a ma photo dedans qui dit comme quoi je suis un assassin et qu'il faut m'arrêter. Ouais, il est là-bas. Faut vite que je l'attrape. Je l'ai attrapé ? Ah ouais, je l'ai attrapé. Oh là 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 là. Allez, lâche-moi ça. Bon. Donc là, je suis au niveau 0 de recherche. Donc je peux me balader tranquillement. Où je vais y aller? Bon, je vais appeler le cheval. Alors, on doit sélectionner. Siffler à cheval. Allez, viens ici. Voilà, c'est parfait. Maintenant, on se balade. Et attends, quelqu'un a un problème? C'est ce type? Qu'est-ce qu'il a? Il a un problème de qui, là? Je vais bien l'aider, mais... mais s'il parle un peu, ben je vais un peu observer. Oui, mais... qu'est-ce que je dois faire, mon gars, quoi? Il doit pas mourir. De qui? Ne me dis pas que c'est ce type, là. Eh, mais il est con, quoi, ce gars? Je vais essayer de le suivre. Et il y a de nouveau un papier volant. Bon, c'est pas grave, je m'en fiche. Je vais essayer de suivre ce type qui... je sais pas s'il a perdu la raison, quoi. Je m'impatiente, petit gars. Là, on a carrément fait le tour. Bon, si me dit rien, je devrais... je serai dans l'obligation de le tuer. Non, je rigole. Une des règles importantes dans les assassins, c'est ne pas tuer d'innocents. Et si je le tue, bah, ma barre de santé va se baisser. Mais bien sûr, dans quelques secondes, elle va se régénérer. Et aussi, les gardes, ils seront en alerte. Bon, je me demande où il m'emmène, là. Bon, tant pis. Moi, je me tire, car là, il commence largement à se foutre de moi. Alors... hop là, je passe par là. Allez, un petit dernier de massacre de garde. Puis après, je pense qu'on va s'arrêter sur ceci. Allez, venez m'attaquer. À moins que je dois vous attaquer. Bon, je vais prendre la dague. Non, voilà, la dague. Je me demande si j'ai des objets à... ouais, pourquoi pas. Je vais vous montrer la dague à cordes. Alors, voilà. Regardez-moi ça, paf, comment je l'ai pendu tranquillement. Maintenant, je vais vous montrer une nouveauté, la mine. Enfin, je sais plus si c'est une nouveauté ou quoi, mais franchement, moi, je l'ai jamais testé. J'ai posé une mine là. Bon, c'est pas tout, mais je vais appeler un de mes copains là pour le buter. Je comprends pas pourquoi il... bon, tant pis. Je vais prendre ma tomahawk.
et buter tous ces gardes. Ah, là je suis face à un supérieur. Donc le supérieur il sera beaucoup plus dur à le battre. Donc en fait pour les supérieurs genre lui, quand j'utilise une contre-attaque, eh ben à peu près dans les 60% des cas il me renvoie sa contre-attaque, soit il me donne un coup de boule, une claque, un genre de truc comme ça. Merde, je vais mourir bordel. Bon bah je pense que l'enregistrement vient de s'interrompre là. Bon bah merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. C'était Morphix05, allez salut tout le monde.